Bonjour Marguerite. Bonjour Christian. Comment allez-vous? Oh, comme un lundi. Bon, je vais aller voir le patron. Non, n'y allez pas, il n'est pas de très bonne humeur aujourd'hui. Ah, il ne veut pas me voir? Non, il est de mauvaise humeur. Bon, bah, à tout à l'heure, je vais travailler. À plus tard. Oh merde! Oh putain! Oh là là! C'est brûlant en plus! C'est le travail à faire! Oh, ça peut attendre. Ah, mon ami. Oh merde! Christian? Bonjour monsieur. Il faut impérativement que vous veniez dans mon bureau. Je dois vous parler de quelque chose de très important. Il faut que vous dépêchiez. D'accord. Entrez. Asseyez-vous. C'est à quel sujet? Mon cher Christian, comment allez-vous? Ah bah écoutez, monsieur, c'est très difficile en ce moment. C'est vrai que votre femme est partie avec un Colombien, vos enfants avec, votre maison a brûlé, votre voiture a coulé, votre chat est mort. Sachez que je compatis avec vous de tout mon cœur. Oh merci, monsieur. Cependant, ce diagramme représente notre activité économique au sein de l'entreprise, la vente de chaussons, je le rappelle. En rouge, c'est ce que nous devions faire. En bleu, c'est ce que vous nous faites faire depuis votre arrivée. Cela me déplaît au plus haut point. Nous sommes en train de chuter économiquement. Ah merde! L'entreprise est au plus mal. Les prix baissent. Les actions chutent. Et la concurrence nous rattrape. Entendu? Et en parlant de concurrence, j'ai appris que vous êtes allé sur d'autres sites pour voir les chaussons. Ah non, c'est pas moi, je vous jure, ça doit être un problème informatique. Je sais que la vie n'a pas été tendre avec vous, Christian. Mais ici, on reste fidèle à l'entreprise. C'est pour cette raison, et pour des raisons économiques, que je décide de vous... Monsieur Souchot, je suis en colère, quelqu'un a écrasé et déchiqueté mes belles fleurs. Si je le retrouve, il passera un sale quart d'heure. Oh, elle m'emmerde celle-là. Peut-être que je devrais la virer. Bref. Cher Christian, je décidais de vous licencier. Quoi? Mais j'ai tout perdu. Ne soyez pas triste, mon cher Christian. C'est là une opportunité de refaire votre vie. Je sais que la vie est dure, Christian. Mais lorsqu'on est tout au fond, on ne peut que remonter. Je vais vous raccompagner. Ouais, mais c'est dur. Oh. Ah. Monsieur Souchot? Monsieur Souchot? Monsieur Souchot? Réveillez-vous! Réveillez-vous! Oh là là, putain, il est mort. Il est mort! Faut que je me débarrasse du corps, Oh là là. Oh non! J'ai un cadavre sous le dos maintenant. Faut que je cherche le corps. Vite! Monsieur Souchot, je ne suis pas... Oh, Marguerite! Je vais tout vous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais appeler la police! Non, attendez. C'est pas moi, c'est pas de ma faute. Ah, il ne veut pas me voir? Non, il est de mauvaise humeur. C'est le travail à faire. Impérativement que vous veniez dans mon bureau. Je dois vous parler de quelque chose de très important.
Il faut vous dire, Christian, j'ai décidé de vous licencier. Et ici, on reste fidèle à l'entreprise, fidèle à l'entreprise. Monsieur Souchot! Monsieur Souchot! Réveillez-vous! Réveillez-vous! Oh là là, putain, il est mort! Il est mort! Faut que je me débarrasse du corps! Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais appeler la police! Non, attendez! C'est pas de moi, c'est pas de ma faute!